mis les œufs. C'est comme du lablabi. Sans le hummus, les pois chiches. Il y a du riz, il y a du poulet, de la carcasse, de la graisse. Un peu de pain avec vieux pain, c'est pas gras. Voilà, on laisse bouillir un peu. Temps de cuire le riz. On verra après. Bon, aujourd'hui, avec ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais mélanger un peu avec des croquettes parce que, comme je vous l'avais dit, le chien il a maigri. Donc, les 3 kilos, je vais la mélanger. Je vais la mélanger avec du riz. Mais en Ottawa, il lui faut pour. Bon, il n'est pas en 30 kilos, il est en 35-40 kilos. Donc, je vais mettre les 580 grammes pour a thin dog silhouette. La silhouette thin, ça veut dire qu'il est un peu maigre, overweight, un peu gros, normal. Donc moi, l'animalerie, le mec il savait pas, c'est pas 30 kilos, donc je crois que c'est 38 kilos. Voilà, 580 grammes à mélanger normalement sur 2 fois, maintenant et après, le soir. On a dit 580 grammes. La moitié de 580, combien? La moitié, 80 plus 40, 290. Qu'est-ce qui se passe? 290, c'est bon. Ça, je vais mélanger un peu avec le riz, voilà. Et pour le pelage, pour les poils et tout, je crois qu'il y a de l'oméga 3. Les multivitamines, healthy growth. Development everyday care. Du calcium. Mais après, quand il fait ses besoins, une calcium. Oméga 3. On a dit pour 35-40 kilos le chien. Entre 530 et 580 grains et au quotidien. Donc je l'ai partagé en deux, c'est mieux, ok? Je l'ai mélangé avec du riz, carcasse, maintenant de la graisse, voilà, du poulet, et voilà quoi. Il est en train d'aboyer, et il sait qu'il va manger. Loki. Qu'est-ce qui se passe? Lucky boy, il est devenu noir. Il était sablé, hein, un peu doré quand il était jeune. Il y a sur les autres vidéos. Hier, on est allé à la plage. Je l'ai nettoyé à l'eau de mer. On s'est baigné, moi aussi je me suis baigné. 31 octobre, ici à Hammamet, on se baigne. À tout hôtel.